Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un haul. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui à vous filmer. Ça fait un mois et demi que j'ai fait un break. Et toutes les vidéos que vous avez peut-être vues sur internet, c'était soit des vlogs, soit des vidéos que j'avais pré-montées. Je suis hyper contente d'être là. Vous m'avez manqué enfin. Et vous savez, sur Facebook, j'avais fait des ventes, du coup j'ai pu me racheter des pièces, des fois pas très utiles, des fois utiles, c'est vrai, parce qu'il faisait un petit peu froid et j'avais rien ramené là-bas. Donc je vais commencer tout de suite avec les D'avoir petites pensé choses à que j'ai ça, pris, donc. c'est des petites socks en fait tout doux comme ça, que j'ai eu à 2 pounds à Primark. Ensuite j'ai pris ça en fait, c'est une petite trousse à maquillage. C'est vrai que j'ai ma trousse à maquillage n'est pas très très grande, du coup j'avais voulu prendre celle-là, puis celle-ci a coûté 3 pounds. J'ai pris ça, donc ça c'est vu que je voyage pas mal et que ça fait en fait, j'ai remarqué que ma valise est super lourde. J'ai pris ça parce que je repars en vacances, du coup forcément j'ai besoin de ça pour remplir par exemple ma crème, mon shampoing, mon gel douche, etc. Donc, en chaussures, j'ai pris ces petites ballerines. Oui, SOS ballerines, je sais que vous êtes là, mais j'aime énormément les ballerines. Et c'est vrai que moi, ça dépend aussi de comment vous habillez. Si vous mettez un legging avec des ballerines, forcément ça fait un petit peu dégueulasse. Désolée si vous mettez ça, mais je trouve ça un petit peu pas joli. Mais moi, j'aime beaucoup mettre tout ce qui est coupe droite avec des ballerines, et du coup, ça passe super bien. Donc, c'est ça, donc je les ai achetés à 5 pounds, donc l'équivalent de 7 euros ici, au Primark, donc très très joli, gris clair. Moi j'aime beaucoup les chaussures Dolly, on va dire, je sais pas comment, enfin les chaussures un petit peu poupées. Voilà, donc j'ai pris celles-ci que j'ai utilisées pas mal en Angleterre, que j'aime énormément. Je les ai achetées à 8 pounds je crois, donc elles sont vernies et j'aime beaucoup les chaussures vernies. J'ai pris également ces petits chouchous parce que on n'en a jamais assez. C'est vrai que moi j'ai acheté un paquet comme ça la dernière fois et je les ai encore toujours. Enfin, ils sont de très bonne qualité, il n'y a pas le petit truc en fer, donc c'est super bien pour le cheveu. J'ai fait aussi mon plein de pyjamas, donc des pyjamas so cute. Donc celui-ci qui est trop trop joli, donc avec une coupe assez slim. Donc j'aime pas trop tout ce qui est legging à la maison, j'aime bien être ample, vous savez, cozy, voilà. Donc celui-ci qui est slim, qui est très très joli porté franchement. Et voilà, donc j'ai eu à 6 pounds, donc l'équivalent de 8 euros. Et il est très très beau. Un autre pantalon en fait, pyjama, qui est vraiment celui-là, il est très trop joli, j'aime énormément. Il y a des petits cœurs un petit peu partout. Et par contre celui-ci en fait, il est élastique au niveau de la cheville, qui en fait ça fait un petit peu, je sais pas comment vous dire en anglais, c'est cuffed, en fait c'est comme une petite boule on va dire en bas, et ça fait très très joli franchement. Celui-ci était à 6 pounds l'autre, mais j'ai fait en plein de débardeurs comme ça, donc soit pour la maison, soit pour mettre en dessous de mes hauts par exemple quand je vais dehors, etc. Quand il fait froid, j'aime beaucoup porter ce genre de choses en dessous, et celui-ci coûtait 1,80, donc vraiment pas cher, donc 3 euros. J'ai jamais vu ça à H&M, je crois que c'est 5 euros les trucs comme ça. Donc franchement, pas mal. Et c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez voir mon lipstick aussi. C'est un haut en fait blanc. Je vais mettre pas mal de chemise en ce moment, enfin cette année, j'avais besoin d'un haut blanc en dessous. Surtout si les chemises elles sont transparentes et celles-ci sont un petit peu longues quand même. Et celui-ci, j'ai Ah, en mais donc réduction à 2 pounds. continuons, j'ai acheté. Vu qu'il faisait super froid sur Londres, j'ai acheté un pull parce que j'avais hyper froid, j'avais pas mon plaid adoré. Donc j'ai pris ce pull-là, qui est jaune pétant. Voilà. Et j'ai eu à 3 pounds. Donc franchement, j'aime beaucoup ces genres de pulls à la maison. Je sors pas du tout avec ce genre de pull, mais à la maison, pourquoi pas en jogging et tout, avec ça, why not, hein? Donc un pantalon coupe droite. Donc vous avez un coupe droite normal que vous trouvez un peu partout, sauf qu'ils étaient à 5 pounds et franchement la qualité est super. Donc c'est à pince en fait. Et vous pouvez, en fait on pouvait choisir si c'était régulier, donc straight, donc comment dire, en français je sais pas comment dire, coupe droite en fait, slim, et il y avait boycott. Et sauf que moi j'ai pris slim, parce que je préfère slim tout simplement. Et franchement, ça fait slim, mais pas tellement slim. Ça fait slim coupe droite sur moi. Du coup, je l'ai pris à 5 pounds. J'allais pas dire non. Vous Hein? avez également vu ça sur ma vidéo que je mettrai ici en suggestion de vidéo. Ma vidéo Eid Outfit. Et j'ai pris ça en fait. C'est une robe qui est trop trop jolie. Donc j'aime pas trop l'orange, mais why not quelques fois
Porter ça en plus ça me va au teint donc j'aime beaucoup. Donc c'est une robe super longue qui me va m'immoler tout simplement et coûter 10 pounds. Donc faut également le trouver en France, hein, y a pas de souci, elle coûte 13 euros en France je crois. Ensuite j'ai pris la même mais en noir. Donc vous avez peut-être vu également dans un de mes vlogs Eid, parce que celle-là j'ai pris vraiment pour la Eid et elle est très très jolie donc j'ai fait simple. Elle est vraiment bien taillée. C'est une chemise en fait qui est ma foi très très belle. Donc c'est une chemise comme ça, normale. Donc j'ai roulé les manches, j'ai pris taille 40. Sachez que Primark taille petit je crois, parce que moi je sais pas si c'est moi qui a grossi ou non. Mais par exemple pour cette chemise là j'ai pris en taille 40. Les deux robes précédentes que je vous ai montrées j'ai pris en taille 42 parce que ça me serrait. Peut-être que j'ai un, je sais pas, peut-être j'ai des fesses imposantes. D'habitude je prends du 36-38 et le 40 ça m'allait pas, le 42 ça m'allait pas. Attendez je vais regarder si j'ai pas pris 44 parce que je me pose la question des fois hein. Donc j'ai pris 42, voilà, pour vous dire c'est la première fois de ma vie que je prends du 42. Mais why not, je voulais un truc qui soit un peu si sur moi, qui soit pas... C'est le bordeaux, il y a en noir aussi, donc qui est très très jolie et qui est très très longue et qui a la particularité d'être coupée sur le côté. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est coupé sur le côté parce qu'en fait ça donne de l'allure, je sais pas comment vous dire, mais ça change vraiment une tenue. Voilà, donc pour 10 pounds j'allais pas dire non. J'étais au marché d'abord de marché de Whitechapel et c'est un marché qu'en fait qui a la particularité d'avoir tout ce qui est foulard pas cher, donc si vous voulez des foulards. Et qui a aussi des abayas, donc des robes longues, pas chères. Donc moi j'ai pris celle-ci, donc c'est une robe en viscose un petit peu qui ressemble fortement à une que j'ai de Madhuri Nars. Et celle-ci je l'ai achetée à 10 pounds, vous entendez, 13 euros. Donc franchement c'est pas mal. Et elle est très bien coupée devant. C'est vrai qu'il faut mettre un truc en dessous, soit une jupette, soit une robe, vous savez, en dessous... qu'on met souvent en dessous les robes. Donc n'hésitez pas à vous acheter ça et mettre ça parce que sinon ça fait... C'est pas que c'est transparent mais c'est que on peut voir un petit peu votre cellulite ou les trucs comme ça parce que la viscose souvent ça accentue tout ça en fait, le ventre etc. Donc n'hésitez pas à mettre une gaine si vous avez du ventre etc. Parce que moi franchement j'avais honte de sortir sans rien, j'avais mis un legging en dessous et j'avais vraiment honte. Et franchement elle est très très jolie, il y a plusieurs tailles en fait, c'était du 52 ou 50 ou 60 je crois et ça dépend de votre taille faite en longueur. Marché qui est à côté de chez moi, donc c'était Church Street, donc c'est sur Egware Road, yeah. Et j'ai pris ça en fait, c'est un petit pull blazer qui est très joli, qui vient d'un site, je sais plus lequel, je sais plus si c'est Asos ou quoi que ce soit, un truc, mais c'est une vieille collection. Et celui-là, je l'ai eu à 8 pounds, donc j'avais super froid ce jour-là, donc je me suis dit, oh, non, en plus, il est très joli, coupé très très bien. Donc, au marché de Liverpool Street Station, voilà, et c'était le marché, le Sunday Market, et j'ai pris cette magnifique chemise, donc un peu transparente, qui est, ma foi, très très jolie, donc avec des petits clous on va dire un petit peu partout. Donc celle-là j'ai eu à 3 pounds, donc franchement c'est pas cher du tout. Et je sais pas de quel site elle vient. En fait souvent ce marché là n'hésitez pas à y aller si vous êtes de Londres et que vous êtes sur un dimanche matin, parce que en fait c'est un marché qui vend vraiment du Asos, du Topshop, du Urban Outfitters, du River Island. Ils vendent vraiment, ils vendent que des marques connues. Et Selfridges, Debenhams, etc. Celui-ci, j'ai trouvé à 3 pounds. J'ai également pris cette chemise qui est, ma foi, très belle. Elle est ouverte devant. Mais, en fait, juste les brodures, en fait, qui m'ont... ça m'a plu, en fait. Et je pense la porter avec un truc tout à look noir, avec un maquillage rosé un petit peu. Et why not? C'est très très joli pour 3 pounds. Je me suis dit, why not? On va prendre le truc et on va tester, quoi. Et au pire, si je l'aime pas, bah je le donne. Un blazer, donc un blazer de quelle marque? Dorothy Perkins. Et je l'ai eu à 5 pounds, les filles, quoi. Donc 5 pounds, c'est pas cher du tout. C'est un blazer un petit peu coupe, pas serré en fait, c'est pas cintré, c'est vraiment une coupe un petit peu ample. Mais si vous mettez un truc serré en dessous, il n'y a pas de souci. Donc c'est un blazer qui est très 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 joli. Ce blazer là, 5 pounds, on est 5 pounds. Franchement, c'était donné. Et ensuite, j'ai pris également, j'ai vu sur Instagram de Mariama, donc Instafabulous.
et que j'aime énormément, qui a une chaîne YouTube, donc c'est World of Afrika Beauty. Sur sa photo lead, elle avait un pantalon coupe droite que j'aime énormément. Du coup, je me suis dit, vu qu'en ce moment je suis dans ma période walking girl, je me suis dit, why not prendre ça. C'est un pantalon coupe droite que j'ai à 3 pounds, donc, qui vient du site, qui vient du magasin Bastion. Et quand, franchement, il est trop beau avec des talons. Il est très 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 grand, par contre, je vais le couper, mais avec des talons, c'est juste énormissime. Voilà, donc 3 pounds, j'allais pas dire non, j'ai sauté dessus et je suis partie. Ma dernière robe, c'est une robe Asos plutôt, que j'aime énormément. Je crois ne plus rentrer dedans parce que j'ai grossi en fait. J'ai grossi. Et en fait, c'est une robe de soirée qui est très très longue, qui est dans la section grande, je crois, et qui est très très longue, qui est vraiment trop sublime. Je ferai un lookbook, c'est sûr et certain. Et cette robe-là coûtait dans les environs 50, je crois qu'il y avait un ticket qui disait 60 euros et je l'ai à 5 euros. Et il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Donc franchement, c'est donné à 5 pounds, je l'ai prise. Oh, je suis trop contente de mes affaires. Vous trouvez que Primark, c'est cher? N'hésitez pas à aller dans les marchés comme Liverpool Street Station, le Sunday Market simplement. Et si vous allez dans les autres marchés, parce qu'ils vendent également des vieilles collections, mais des vieilles collections super belles dans les marchés. C'est pas du tout les marchés que vous voyez ici en France, c'est vraiment des beaux marchés et pour pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Je pense que ça se ressent dans ma façon de parler et d'avoir fait cette vidéo. Et je fais plein de bisous, donc je fais plein de bisous, à la prochaine, bye bye.